Elle a dit c'était 100 000 là. C'est ça? 100 000. Toi, tu n'as pas noté? On va aller avec la musique. Tu n'as pas noté? On y va. Trois raisons de rencontrer les missionnaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Bon, après on verra. Si tu as noté, c'est bon, après on verra. Coupe ton micro, s'il te plaît. Prédateur. Lecture, lecture. On y va avec Lisa Petit, bonsoir. Qu'est-ce que ça te fait d'être en demi-finale? Qu'est-ce que tu peux dire aux gens, aux bébés? Bonsoir tout le monde, bonsoir Aya. Je suis très contente d'être finaliste aujourd'hui. Voilà, je souhaite donc montre. Voilà, tout simplement. Bonsoir, bonsoir Aya. Et je suis très content ce soir donc d'être en finale. Donc j'aimerais saluer tous mes supporters qui sont là. Et puis ça tombe bien aussi, c'est le 5 août 1960, l'indépendance du Burkina. Donc on va fêter ça ensemble ici pour la victoire. Merci à tous mes supporters qui sont là. Bonne fête d'indépendance. Hein. Ismaël. Bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé cette très belle journée. Moi, c'est Ismaël. Je suis burkinabé et je vis au Gabon. Donc, je suis remplacé des PDG. Malheureusement, lui doit être là, mais il n'est pas là aujourd'hui. Donc, je suis sa remplaçant. Que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Bonne chance et bonne fête d'indépendance. Merci, merci. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Aya. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est moi Idriss Kou. Je représente la Côte d'Ivoire actuellement. Récemment, j'étais pas certain d'arriver en finale, mais. Vous m'entendez? Oui. On t'entend pas. Pardon? Tu as quoi? Bonsoir Tata Aya. Bonsoir. Je suis Latifa de la Côte d'Ivoire. Mm-hmm. C'est ma première fois de jouer. Première fois de participer ici en finale aujourd'hui. Tout le monde. Et merci les donateurs aussi. Bonne chance, Franchi. Ouais, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Rach. Je viens du Togo. Et d'abord, je remercie à tous mes frères et soeurs qui sont là-bas. Que le meilleur gagne. C'est le jeu. Souvent même les membres de ta famille sont étonnés de voir quelqu'un d'autre à part eux te donner autant d'amour. Et puis ils font tout ça
Mix ou la table acclamant mix. Le plus pour la partie de ce soir. Bienvenue dans la zone de turbulence. Mes chers bagnons mix et table acclamant mix, veuillez attacher votre ceinture de sécurité, car le coulage du bagnon mix et de la table acclamant mix va décoller tout de suite et maintenant. Qui sera le bagnon mix ou la table à l'est? Table acclamant mix. Finaliste de la 8e édition, le plus ou la plus coulée de ce soir. On t'apporte ton partage, s'il vous plaît. dix-neuf secondes, dix-huit secondes, attends, je m'arrête, dix-sept, arrête-moi ça, dix-sept secondes, seize secondes, quinze secondes, quatorze secondes, treize secondes, douze secondes, onze secondes, dix secondes, 9 secondes, 8 secondes, 7 secondes, 6 secondes, 5 secondes, bienvenue dans le cadre. Ok, tu sens. Bienvenue dans le cardio. Est-ce que vous avez le cardio? Ouvrez, qu'il y a un bâton. Oh, il fait nuit. Ouvrez le son. Et...
coulé. Ismaël. Les gens là aussi n'ont pas pitié de moi. J'ai coulé hier, j'ai coulé aujourd'hui, j'ai coulé après demain encore. Et merci, merci beaucoup. Merci à tous. Combien de boîtes coulent même? Compte. Ça c'est à hier, c'était le 4e. Aujourd'hui c'est le 5e fois. Ok, merci les gens qui ont venu. Merci Bagnon, le roi Afrique, meilleur bon, merci beaucoup. Merci, merci encore. Je suis le Bagnon. Merci à tout le monde. Je suis le Bagnon. Finaliste. Le Bagnon Mix, pardon. Finaliste. Je suis le Bagnon Mix. Je suis le Bagnon Mix. Finaliste. De la 8e édition, le plus coulé de ce soir. 8 fois, 4 fois. De la 8e édition, 5 fois, oui, le plus coulé de ce soir. De la 8e édition, 5 fois le plus coulé de ce soir. Bon, on va aller, s'il vous plaît. Je ne vous vois pas, en fait. Si vous êtes occupé, au moins laissez-moi un message pour me dire, mais tu es là, pourquoi tu ne peux pas descendre les gens? Connais Biko. On t'apporte un partage. Qui sera le Bagnon Mix pour la table à Clamont Mix? Demi-finaliste de la 8e édition. Le plus coulé, le plus ou la plus coulée de ce soir. On t'apporte ton partage. Prendre le téléphone. Attrapez-lui. Attrapez Kilou. Lisa Poitiers, donne-nous un sourire, s'il te plaît. Kelly, donne-nous un sourire, s'il te plaît. Adama, donne-nous un sourire, s'il te plaît. Idriss, donne-nous un sourire, s'il te plaît. Latifa, donne-nous un sourire, s'il te plaît. Irash, donne-nous un sourire, s'il te plaît. On t'apporte ton partage, s'il vous plaît, la famille. On dit souris, tu pleures, hein? Idriss, on dit donne-moi un souris, tu pleures. Tes larmes coulent, c'est quoi? Aïe. On peut pleurer comme ça. On t'apporte ton partage. Bienvenue dans la zone des turbulences. Mes chers Bagnon Mix et Taoula Clamont Mix, finaliste de la 8e édition. Veuillez attacher votre ceinture de sécurité car le coulage du Bagnon Mix et la Taoula Clamont Mix va découler tout de suite. Qui sera le Bagnon Mix ou la Taoula Clamont Mix, finaliste de la 8e édition, le plus ou la plus coulée de ce soir? 19 secondes, 18 secondes, 17 secondes, 16 secondes, 15 secondes, 14 secondes, 13 secondes, 12 secondes, 11 secondes, 10 secondes, 9 secondes, 8 secondes. Et...
Adama. Oui, bonsoir, bonsoir. On y va, dis merci. Attrapez-le. Merci, merci. Attrapez-le. Ça, là, c'est pas coulé deux fois. Merci, bonne chance, Oulès. Merci. Bonne chance à toi, aussi, à la prochaine, on y va. On y va, on tapote, on partage. Lisa Preti de la Guinée, notre sponsor de la gloire. Kelly du Cameroun, le continent. Idriss de la Côte d'Ivoire, lève-toi. Latifa de la Côte d'Ivoire, RH. Du Togo, Togo, Togo. On tapote, on partage. Les apôtres, donne-moi un sourire, s'il te plaît. Kelly, donne-moi un sourire, s'il te plaît. Idriss, donne-moi un sourire, s'il te plaît. Latifa, donne-moi un sourire, RH. Donne-moi un sourire, s'il te plaît. On tapote, on partage. Qui sera? On tapote, s'il vous plaît, fortement, on tapote. Lisa Preti de la Guinée, Kelly du Cameroun, Idriss de la Côte d'Ivoire, Latifa Jolie de la Côte d'Ivoire et RH du Togo. Nous allons rentrer dans la zone de turbulence. Bienvenue dans la zone de turbulence. Mes chers Talois Clama Mix de la 8e, finaliste de la 8e édition, les Bagnons Mix finaliste de la 8e édition, veillez attacher votre ceinture et votre keiwa de sécurité, car le coulage des Bagnons Mix finaliste de la 8e édition et la Talois Clama Mix finaliste de la 8e édition va décoller tout de suite et maintenant. Qui sera le Bagnon ou la Talois Clama Mix finaliste de la 8e édition? Est-ce que vous avez le cardio? On tapote, on partage. Ouvrez le zoo, la Méditerranée, les voituriers, les maisons riées. Silabia. On y va. On tapote, on partage, veillez par la position. Les apprêtis, tu es en danger, rage, tu es en danger. Thank you.
D'abord, tu entends? Je dis merci. Oui, je dis merci à tous les donateurs qui m'ont donné un peu de cadeau là. Merci à vous, merci à Tata et à aussi. Et bonne chance. Ok. T'inquiète pas, on va t'écrire pour reprogrammer ton truc. Pour les dons. Je suis le bagnon mix. Je suis le bagnon mix. Demi-finaliste de la 8e édition. Demi-finaliste de la 8e édition. Le plus coulé de ce soir. Le plus coulé de ce soir. On t'apporte ton partage. S'il te plaît. Kelly, donne-moi un sourire, s'il te plaît. Excusez-moi. Idriss, donne-moi un sourire, s'il te plaît. Latifa, donne-moi un sourire, s'il te plaît. On tape pas ton partage. On tape pas ton partage. Tu seras le bagnon mix ou la taula clamant mix. Le plus ou la plus coulée de ce soir. On y va, on t'apporte ton partage. On t'apporte ton partage. Qui sera le bagnon mix et la taula clamant mix, le plus ou la plus coulée de ce soir? On y va. 19 secondes, 18 secondes, 17 secondes, 16 secondes, 15 secondes, 14 secondes, 13 secondes, 12 secondes, 1 seconde, 10 secondes, 9 secondes, 8 secondes, 7 secondes, 6 secondes, 5, 4, 3, bienvenue dans le cardio. Est-ce que vous avez le cardio? Avant moi le téléphone, à moi. Attrapez-le. Attrapez-le, attrapez-le. À petit Kilou. Est-ce que vous avez le cardio? Ouvrez les eaux, ouvrez la Méditerranée. Attrapez quel mot? Kylian, excusez.
Ils avaient coulé notre sponsor. On va qui va vous donner un habit encore. Mais j'arrive pas à cliquer sur le truc, hein. La sponsor a coulé. On y va, Lisa. Merci tout le monde. Je suis très très contente. Vraiment, je pensais pas que j'allais arriver jusque là parce que je m'attendais même pas à arriver là. Rien n'était prévu. Je dis grand merci à Teddy, merci à Darkside, merci à DS, merci à Jésus, je t'aime, merci à Maman des Jumelles. Franchement, tout ce qui vous mentionnez dans les commentaires, je vous dis merci. Je suis de cœur avec vous. Je suis très contente. Lisa Pretty, notre sponsor de la gloire. Notre sponsor de la gloire. Tu as coulé. Je suis la table à Clamont Mix. Je suis la table à Clamont Mix. Finaliste. Finaliste. De la 8e édition. De la 8e édition. Deux fois la plus coulée de ce soir. Deux fois la plus très mal coulée encore. Merci, franchement. À la prochaine. Vous avez fait couler nos sponsors, hein? On ne peut pas couler de sponsors comme ça. Vous avez fait couler nos sponsors, vous, là. On tape pas ton partage. Kelly du Cameroun. Latifa de la Côte d'Ivoire. Et Idriss de la Côte d'Ivoire. On tape pas ton partage. Qui sera le bagnon mix finaliste de la 8e édition pour la table à Clamont Mix finaliste de la 8e édition, le plus ou la plus coulée de ce soir? On t'apporte ton partage. Partage et t'apporte. On t'apporte ton partage. Nous allons rentrer dans la zone de turbulence dans pas longtemps. Va décoller tout de suite et maintenant. Arrête d'appeler les gens qui viennent. Arrête. Qui sera le bagnon mix? Finaliste de la 8e édition ou la Taoula Clamont Mix? Finaliste de la 8e édition, le plus ou la plus coulée de ce soir. 19 secondes, 18 secondes, 17 secondes, 16 secondes, 15 secondes, 14 secondes, 13 secondes, 12 secondes, 11 secondes, 10 secondes, 9 secondes, 8 secondes, 7 secondes, 6 secondes, 5 secondes, 4 secondes. Kelly, donne-moi un sourire, s'il te plaît. Idriss, donne-moi un sourire, s'il te plaît. Latifa, donne-moi un sourire, s'il te plaît. Kelly du Cameroun. Idriss de la Côte d'Ivoire, Latifa de la Côte d'Ivoire. Bienvenue dans le cardio. Est-ce que vous avez le cardio? Aïe, 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 c'est fort.
Est-ce que vous avez le cardio? Il y a mal à la tête, mon mec. Mon Dieu. Par contre, ça m'a donné mal à la tête. Voilà pourquoi on s'est entraîné. L'incursion d'Oméga. Où ça? Partout. Le patron a établi un plan. Maintenant, il ne reste plus qu'à leur montrer que nous, on a la classe. Conduisez-les à la tombe. Oh, bravo, bien joué tous les trois. Tiens, tiens. Qui le fait, c'est pas la nuit on danse. Vas-y, Idriss. En tout cas, merci beaucoup, merci à tout le monde. Je ne pensais pas arriver ici, mais vous avez été avec moi. Je remercie tout le monde, les inconnus en or, Queen Brit, Miami, merci beaucoup. Strong Woman, Vicky La Puissance, merci beaucoup, GNS, Monsieur Bams, merci Achille, Mila, Alia, merci beaucoup. Tu as déjà participé auparavant ou pas? Bon, c'est les qualifications. Et puis hier, j'ai joué. Hier, j'étais premier. Oui, mais c'est, je veux dire que avant cette semaine-là, avant cette édition-là, tu avais déjà joué auparavant? Non. Ah, donc c'est ça qui est. Ok. C'est ma première édition. Je suis le bagnon. Je suis le bagnon. Mix. Mix. Demi-finaliste, pardon. Finaliste. De la 8e édition. De la 8e édition. Le plus coulé de ce soir. Beaucoup coulé ce soir. Les décis. C'est le jeu. Il tenait tellement à cette compétition, mais bon. Moi, il a donné un conseil aux donateurs. Là. Vous savez, quand le temps est court comme ça, là, au lieu de donner, peut-être, vous voulez donner 5K, genre les pistolets comme ça, là, au lieu de donner un. Vous regardez, si vous voulez peut-être donner 5K, vous choisissez un 5K là-bas, vous donnez. Parce que si vous donnez un pistolet, le temps que les autres là vont arriver là, votre candidat coule. Pour ceux qui ne savent pas vraiment jouer, tu sais que tu as, il te reste peu de temps. Tu vas dans tes cadeaux, tu regardes, si c'est 5K que tu vas donner là, tu mets un éléphant, tu mets un lionceau, ça comble. Mais si tu veux mettre pistolet là, le temps que tu vas mettre pistolet. D'accord, le coulé, le debout. Le gagnant est parti, le gagnant est parti. En gros, c'est un coup outil que la joie a fait une instant à plus de petits coups. La tipa. Mais où est-ce que la mine là?
Cameroun et la Côte d'Ivoire s'affrontent. Alors, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin. Après, nos deux candidats. Attrapez-lui, hein. Attrapez-lui, hein. Il n'est pas bon, hein, Kilou. Il me tape. Tu me tapes plus jamais, d'accord? C'est ici que, après notre magnifique Taoula Clamant Mix, va prendre fin de la 8e édition. Vraiment, cette 8e édition-là, il y a eu beaucoup de failles, pour le dire. Sorry à tout le monde. Et on revient d'ici 2 à 3 semaines. 2 semaines pour la 9e édition. Mais on n'oublie pas le duel de Titan, qui est le 7 août. Il aura Teddy, il aura MT, il aura Yaka Yaka de Paris, il aura Glagla, il aura Sentinelle, il aura Croyons-vous, il aura Stide, plein de candidats. Vraiment, si je vais citer, je ne dirai pas ici parce qu'ils sont beaucoup. Tiva de Paris, Vanessa, le duel de Titan, c'est ça, un duel, le 7 août. Je dis et je répète, le 7 août. Venez assister à ça. Qui sera le bagnon d'or? La Taoula Clamant d'or. La Taoula Clamant ou le bagnon Miss d'or? Et peut-être dans cette 8e édition là, on va quand même faire des médailles. On va préparer ça. Kylian, j'ai presque fini. Est-ce que Kelly sera notre Taoula Clamant Miss de ce soir? Kelly, donne-nous un sourire camerounais. Est-ce que Latifa sera notre Taoula Clamant Miss de ce soir? Latifa, donne-nous un sourire. Entre Kelly et Latifa, le continent et la planète, le continent et l'univers s'affrontent. Eto et Didier Drogba s'affrontent. dix-neuf secondes, dix-huit secondes, dix-sept secondes, seize secondes, quinze secondes, quatorze secondes, treize secondes, douze secondes, onze secondes, dix secondes, neuf secondes, huit secondes, sept secondes, six secondes, cinq secondes, quatre secondes, trois secondes, bienvenue dans le cardio. Est-ce que vous avez le cardio? C'est qui votre candidate? On met dans les commentaires. Actuellement, Latifa mène 48 à 6. 48
t'a laissé. Vas-y, ouvre ton micro, ma chérie. Non, je suis très très contente et franchement, ce fut une très belle expérience. Je remercie tous mes donateurs. Merci beaucoup à Tata Life. Merci à Miracle, Sis, Bakongo, Ken's Job, Couleur Ébène, Jeanne Makumbu, je vous remercie du fond du cœur. Il y a certains je connais personnellement pas. Que le Seigneur vous bénisse. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à toi pour la participation. Allez, on t'annonce ton lot. Ok, félicitations Kelly. Et tu repars avec un lot de chemise à Prédit. Donc, tu vas me laisser tes coordonnées inbox pour recevoir ton lot et ta taille en vêtements. D'accord, ça marche. Merci. Félicitations. Alors, tu vas répéter après moi. Je suis la table à Clamont. Je suis la table à Clamont. C'est ta première fois, non? C'est ta première fois de... Première fois. Demi-finaliste. Finaliste. Pardon, je suis la table à Clamont Mix. Je suis la table à Clamont Mix. Finaliste. Finaliste. De la 8e édition. De la 8e édition. La deuxième sortante de ce. C'est gagné, c'est gagné, c'est gagné, yeah! Les fouilles de c'est gagné! On a marché comme des robots, c'est gagné, c'est gagné, oui, Didi, hurra! On a reconduit Roberto chez son grand-père, c'est gagné, c'est gagné, c'est gagné, oui, Didi! On a réparé une maison dans la rue à Pont, et on s'est fait des amis! Wow! Yeah! Yeah! Wow! Wow! Oui, Didi! Félicitations encore. Ok, vas-y, exprime-toi. Aïe, je suis tellement contente. Comme on l'a dit, le miracle est vraiment. Ma première fois de participer, oh, je suis la gagnante. Vraiment, je suis très contente. Je remercie tous mes donateurs. Je remercie Black Panther. Bisous. Island. Island. Black Panther. Island. Hey. Faut prendre. Vraiment, je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup. On est ensemble. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Pour un l'un d'elles, on va avancer. L'un d'elles. On y va. Mais toi, tu mets vomissement sur le drapeau de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Attends. Elle est imitée. Vas-y, on va te dire ce que tu remportes. Ok, vas-y. Ok, il n'y a pas de problème. Tu peux lui demander ou bien Chad. Bon. Elle va monter. Attends, ne quitte pas. Allô. Merci, merci, merci. Ta loi Clamont Mix. Tu es à Abidjan, n'est-ce pas? Ok. Donc, félicitations. Tu es notre Ta loi Clamont Mix de la 8e édition. Voilà. Donc, en plus de repartir avec tes pièces, tu vas aussi repartir avec un shopping. Combien de pièces elle a eu? Tu n'as pas oublié. Tu as fait en tout 73K. 73K, 3. Voilà. Donc, tu vas repartir. Bon, elle a 65K là. Elle a fait 9K. Et elle a fait 9K. Elle a fait 9K à sa qualification. Ok, ok, c'est bon. Donc, tu vas repartir avec un lot de choix, avec un shopping soit chez Ali Wax, soit chez Nana Wax, ou soit chez Aldo.
Donc, tu vas réfléchir et puis on se prend en inbox pour me dire ce que tu as choisi par rapport à ça. On verra comment procéder pour ton lot. OK. Félicitations. OK, félicitations en tout cas. Quittez là, quittez. Adore là, c'est comme du sable. Ouais, seulement ils ont beaucoup. Quand ils arrivent, on reste de papier rouge. Et ma moto facile, quittez-moi. Pardonnez, quittez sur la route. Pourquoi ils m'emmènent à ma ronde. Et ces garçons qui arrivent. Merci à tous les donateurs, merci Black. Pardonnez pour ces papa Tchèbe Nana. Et ces garçons qui arrivent. Monsieur le ministre, Nicolas Tayo. À la tête le temps c'est pas une histoire à Salakou. Mais franchement, ils font beaucoup de miracles. Souvent, on prend le micro pour chanter. Merci. Allumez la télé. Pardonnez qui te suit la route. Mon père m'a fait nana. Et ces garçons qui arrivent. Je dis quittez. Pardonnez pour ces merci Black. Un content, merci. C'est garçon. C'est garçon. Aya, pardon. Hey. Je suis au travail. Alors, encore t'es bout de ce soir. First class, encore félicitations. Et puis, tu vas nous revenir pour tes lots. Encore merci à tous tes donateurs qui ont fourni beaucoup d'efforts que tu sois tableau clairement. Et puis voilà, des bisous. Tu peux descendre. Alors, la famille, je vais vous parler de ma collaboration. Vous savez que je suis égérie de Maflore, vendeuse de mèches de qualité. Je n'ai pas encore reçu mes lots de mèches. Mais il sait de quoi il vous parle. Il dit, les photos des mèches que j'ai ici, les vidéos de mèches que j'ai ici. C'est-à-dire que quand tu mets les mèches là, c'est-à-dire que les mèches là même respectent. C'est-à-dire que ça respecte ton front, ça respecte ta nuque, ça respecte frontal. C'est-à-dire que c'est des mèches que tu as portées comme ça. La garçon, même quand il te regarde là, il s'incline. Mais il sait que tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi. Vous avez compris ce que je vous dis là? Faites un tour sur mon snap. Mon snap, c'est aya.robert. À partir de demain, je vais vous poster ces mèches-là. Je vais vous poster suivi des numéros de téléphone et des sites où vous pouvez vous en procurer. Regardez comment... En fait, ça, c'est quand même un peu les fouilles, les vidéos. Massivement. Sinon, on se retrouve dans ma story TikTok. Et sur mon Instagram aussi, je vais poster. Venez vous en procurer. Voilà. Parce qu'il est temps qu'on respecte nos têtes. Il ne faut pas qu'on mette n'importe quoi. À chaque fois que vous me voyez, Aya, j'aime ta perruque, ça. Parce que oui, il faut respecter ta tête. Oui.
C'est vrai que l'amour là, hein, c'est vrai que dans une relation là, c'est pas forcément la beauté, hein, c'est le cœur. Mais un homme, quand il te regarde, c'est-à-dire que c'est le physique. Quand il regarde que tu es bien coiffé, il regarde tes ongles sont bien soignés, il regarde ton corps même est chic sur toi là. Il va même pas attendre Miss Moon. Regardez, hein, ça c'est moi je j'ai pas collé. Comme je vais enlever tout à l'heure, mais mes mèches sont toujours bien soignées, toujours bien traitées. C'est parce que je choisis les bonnes personnes chez qui je paye mes mèches. Et c'est des mèches, vous aurez ça pendant 10 ans, 5 ans, 15 ans. Ça ne va jamais se gâter, jamais avec Godieu dans vos mains. Donc, n'oubliez pas déjà de vous abonner à elle. Je pense qu'elle est... Attends. Voilà, c'est elle qui est en train de m'envoyer les roses là. Cliquez sur son nom, Maflore Bouti. Abonnez-vous à elle massivement. Pour mes abonnés qui sont en Angleterre, là, ne vous fatiguez plus pour aller chercher mes chailleurs. Il y a déjà trouvé un plan pour vous. Voilà, quand vous. Il faisait des pubs avant d'arrêter les collaborations. Il avait arrêté les collaborations. J'ai pris il n'y a pas longtemps. Et j'ai mes conditions. Avant de collaborer avec quelqu'un, j'ai mes conditions. Voilà, moi, je ne saute pas sur l'argent. Donc, moi-même, il est. Et puis, elle sait que c'est des trucs de qualité. Je vais nous en parler. Bon, abonnez-vous à elle. Et puis, on se retrouve sur mon TikTok, sur mon Snap, mon Instagram pour plus d'infos. Aussi sur Facebook, sur ma story, mes stories Facebook, je vais poster. Merci pour les 200 000 abonnés. J'ai vu que ce matin ou bien cet après-midi, j'ai vu qu'on avait 200 000 abonnés sur TikTok. Merci. Maintenant, je vais faire des petites vidéos pour avoir des likes, pour faire les millions de likes là. Parce que moi, je ne fais pas trop de vidéos comme ça. Donc, c'est pour ça que mes likes sont moins. Mais je vais commencer à faire plein de vidéos pour les poster, pour avoir plus de likes. Sinon, depuis, je devais avoir le million de likes. Parce que les likes, là, c'est quand tu fais les vidéos, quand les gens aiment, les j'aime, là, c'est ce qui donne les likes. Mais sinon, on a 200 000. C'est pas rien. C'est quand même beaucoup. Merci pour ces 200 000 abonnés. Merci beaucoup. Vous êtes formidables. On continue encore parce qu'il faut que je fasse mes millions d'abonnés. Puis, on va fêter ça. Je vais me mettre hors caméra. Et puis, on va poursuivre encore l'affaire. Parce que là, j'ai pas sommeil. Je vais essayer de faire dormir Kilou. Il est 3 heures du matin. Demain, c'est vrai, j'ai rendez-vous aux impôts. Après mes rendez-vous aux impôts, je dois aller encore essayer mes habits pour le mariage. Donc, on pourra parler même jusqu'à ce que j'ai sommeil. Non, Lydia n'est pas à Abidjan. Toi, tu m'as dit que tu n'es pas à Abidjan. Donc, je sais pas comment on fait pour que tu puisses te récupérer. Moi-même, je suis là. Si j'appelle encore Serge, c'est pour lui dire que la personne arrive vers toi. Ça fait 2 fois que je l'appelle. Il dit, trouvez-moi ici. Mais il n'y a pas... Celle qui me représente à Abidjan n'est pas là. Elle est en déplacement. Donc, si là, j'ai quelqu'un qui peut aller récupérer avec lui, là, je l'appelle. Parce que je ne peux pas l'appeler si je n'ai pas encore eu quelqu'un pour aller prendre. Ma grande soeur est dans le live. On dit quoi, mon amour de grande soeur? C'est toi, non? On dit quoi, ça va? Tu es en privé, tu peux même pas monter sur le live. Pourquoi tu t'es mis en privé? Oui, connais Biko, dis-moi. Oui, parce que moi, je vais me retenir après l'indépendance. Donc, j'ai confié ça à mon frère. Je l'ai expliqué. Donc, demain, il va passer récupérer, si possible. Tu vas te retourner comment? Je comprends pas. Il est après l'indépendance, au fait. C'est là que tu as. Mais non, t'inquiète, je vais trouver quelqu'un d'ici demain, d'accord? Bah lui, je l'ai parlé de ça, il m'a dit qu'il n'a pas parlé de lui. Non, ça va trop mélanger. C'était toi, ok, mais ton frère, non. C'est pas parce que truc, hein, mais je vais trouver quelqu'un, t'inquiète. Je vais trouver quelqu'un. Je vais voir même si ma grande soeur pourra aller récupérer. Ok. Ou bien je vais voir avec secret. Bon, il y a plein de first class. Ouais, mais ben, c'est une first class. Ok, bon, on verra alors, on verra. Donc, Merveille, tu sais. Je parlais de retour là, je parle au niveau de ton compte là, parce que je t'envoyais plus les 3 messages, ils m'ont bloqué. Comment ça? Tu m'as pas fait le retour. Le retour de quoi? Des messages là. Tu m'as écrit un message? Oui. Sur TikTok? Oui. Mais écris-moi sur WhatsApp, moi il répond pas au message TikTok. Hein. Tu as mon WhatsApp non? WhatsApp là, quand j'écris dessus là, on envoie beaucoup de messages comme ça. Oui, c'est ça. Pas. Mais si tu écris, dis que c'est toi simplement. D'accord. Okay, dis que c'est toi. Dis que c'est toi simplement.
Ou bien attends, il faut que je m'abonne avec toi sur Facebook, TikTok. Voilà, je m'abonne. Là, on pourra parler sur TikTok. Sinon, moi, TikTok même là, je n'écris pas trop là-bas. Ok, donc c'est bon. C'est bon, voilà. C'est bon, on va trouver une solution et puis... Mais toi, tu pourras aller au conseil, j'espère. Hein? Si, si. D'accord. Ça marche, alors. Donc, alors, on va terminer en disant merci à tous les donateurs, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui sont là pour nous. Merci aux tapoteurs, Kone Biko, merci. Vraiment, merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on va revenir sur la fête Yoté. Tu mets sur WhatsApp son nom. Fais ta demande et monte. Il y a eu quel papo derrière moi? Hey, allô? Non, bref. Je disais, il y a papo, ils ont dit là-bas sur d'autres panels avec la maison là, que c'est au nom de Mada, que c'est son nom qui est sur les papiers. Paraît-il, il y a un monsieur qui dit que lui, il est proche de Mada, que depuis 2020, Mada avait essayé de. Elle avait mis la maison là. Dans un truc, dans une affaire que eux devaient faire, ils devaient faire avec Mada, lui et puis Mada, quoi. Et que l'affaire là, c'est parce que ça a capoté que ça n'a plus chose, comme on a fait ça, ça n'a plus eu lieu. Que depuis 2020, lui, il a vu les papiers là. Non, il ne ment pas ça là, puisque Al-Mustapha est venu confirmer. Al-Mustapha dit que la maison a déjà été vendue depuis 2021 à la dame Aminata Ouattara et que lui, il connaît Aminata Ouattara là. Que demain, il va tout faire pour que le notaire puisse monter sur un panel pour venir expliquer. Mais c'est que le vieux père Al-Mustapha a dit, je crois, il dit, avant de vendre la maison là, de la famille, là, effectivement, ça appartient, c'était le nom de Mada qui est dessus, mais ils ont dû parler à un juge de tutelle. C'est-à-dire, ils disent que c'est au nom de Mada. En plus, si on dit qu'ils ont parlé à un juge de tutelle, c'est qu'il y avait le nom des enfants dessus pour que la maison puisse être vendue. Et qu'elle dit, paraît-il que c'est un don, c'est un cadeau de son mari. Maintenant, il y a un autre monsieur qui a été proche de Cheikh Tioté, qui dit que lui, il a été proche de Cheikh Tioté. Lui qui a acheté la maison, là, je pense que c'est un gars qui est proche de l'ex-entraîneur de Tioté Bibo à Trècheville. Et que ce que tu as dit matin, là, il a répété textuellement ce que tu as dit le matin, quand tu as dit que, effectivement, Kafumba a acheté une maison là-bas, Sekou Sissé a acheté une maison là-bas, qui encore? Ils sont beaucoup, hein, ceux qui ont acheté, que c'est l'entraîneur là qui leur a parlé de la promotion immobilière là. Effectivement, c'est l'une des premières maisons de Tioté lui-même. Donc, c'est ce que le monsieur a confirmé. Et que lui-même, il a parlé, il a appelé Sekou Sissé au téléphone en direct, et puis Sekou a parlé. Bon, Sekou n'a rien dit de truc, hein. Il a juste dit merci pour tous ceux qui les soutiennent, vraiment merci. Il dit qu'il sera le 14 au palais là-bas, au palais de justice pour régler tout ça. Donc, le monsieur qui parlait, il dit Sekou a acheté la maison, et c'est grâce à Sekou que Tioté a acheté cette maison-là. Donc, Sekou, c'est mieux que personne. Qui, voilà, Gervino aussi en a acheté. Ben, la famille même a dit en face, c'est pour Gervino. Donc, la maison pour... là. La maison là. La maison là. Elle a plutôt pris, comment on appelle ça? Elle a plutôt. Moi, j'ai un papier ici. C'est parce que chaque. Je ne sais pas comment. Même. Comment il s'appelle? Lui, que tu viens de dire son nom. Il ne veut pas qu'on affiche ça pour l'instant. Il veut qu'on attende après le 9 là. En plus, c'est le 14. Hein? C'est le 14? C'est le 9, non? Ah non, apparemment, c'est le 14. Hein. Il y a un truc le 14 août au tribunal. Yaka est sur le panel là-bas. Il faut l'appeler. C'est lui qui a les informations. Il est où ça? C'est lui qui. Bon, il est chez la dame là. Il n'a pas envie d'être trop dit son nom. Voilà. Là, moi, nous, on l'a surnom ici. Hein. Moi, je ne sais pas si tu vas comprendre son surnom. Moi, là. Ah. Ton surnom, c'est quoi? Ah. Koyan Mousso, tu la connais? C'est qui Koyan Mousso? Ah, tu as vu, non? C'est mieux. Il est sur le panel de la dame, l'autre côté, là-bas. Écris en commentaire. Écris en commentaire. Ils ont écrit. Moi, je n'ai pas dit son nom, là. Elle m'a insulté. C'est là-bas, nous savons, il est monté quoi? C'est là-bas, il est monté dans deux panels. Il y a un panel d'une autre dame, là. Et il est monté sur un panel de Madone. Il est monté sur le panel de Serge.
Et puis Azazel aussi. Bon, Azazel, lui, tu sais, il entend, il dit la première version de la famille. Il entend, il dit que c'est un don du président Gbagbo. Donc, c'est ce qui a fait que les gens disent non, c'est. Donc, tous les panels qui étaient en feu actuellement, là, ils sont venus dire là-bas que ah, le nom appartient, la maison appartient à Mada. Donc, elle, ce n'est plus une histoire d'héritage. Donc, si le nom, si Tiota a mis au nom de sa femme, c'est plus héritage, c'est que ça lui appartient. Ça, ce sont tes faits là-bas. Vraiment, Tioté repose en paix. C'est toi la petite soeur de Tioté là? Non, je ne suis pas la petite soeur de Tioté. Yeah. Non, mais c'est âgé que Tioté. Ah, ok. Ah, oh. Allô? Qui va aider? Bonsoir. C'est Chris, ça va? Oui, moi, c'est moi qui suis monté. Mais on dit quoi? On dit rien, ça va et toi? Aya, bonsoir. Bonsoir, Koni Beko. Aya, bonsoir, Chiki. On dit quoi, mais tu dors pas aujourd'hui? Il ne dort pas, non. Il voulait. Comment appelle ça? Parce que quand j'entends les conneries, ça m'énerve. Donc, je suis venu ici même. Tu as vu, non? Les panneaux sont en feu là-bas. Non, parce qu'en fait, comment, si on est des gens intelligents, comment cette dernière dit que certaines personnes, je vais dire certaines personnes parce que je ne vais pas incriminer qui que ce soit, lui. Mais puisque vous êtes mariés, c'est vous deux. Maintenant encore, on va sur une autre hypothèse comme quoi, au jour d'aujourd'hui, la maison a été vendue. C'est comme moi, demain, je suis amie avec Secret. J'ai dit Secret, écoute, moi, voilà ça, je vais falsifier des papiers Secret. Faut dire que c'est toi qui as acheté. Au jour d'aujourd'hui, Aya, comme c'est elle qui s'est saisie de ce papier, il faut qu'elle essaye de trouver, de demander à la famille, de trouver les anciens locataires. Parce que même aussi, essayer d'aller voir aux impôts. Parce que les papiers d'impôts, quand tu as une maison en Côte d'Ivoire, le propriétaire, par exemple, moi, je suis propriétaire, je vais louer à Secret aux impôts. C'est le nom tant qui est dessus. C'est moi, la propriétaire, qui doit payer. Déjà, il y a deux personnes qu'on ne peut pas les louper. Les anciens locataires, ils vont dire qui était leur bailleur, plus le service des impôts. Le service des impôts va dire qui payait, si c'est monsieur ou madame, ou si c'est monsieur qui payait les impôts. Ça, c'est déjà un. Parce qu'à un moment, il faudra arrêter. On écoute par-ci, par-là, tout. Mais à un moment, il faudrait qu'on arrête de jouer un peu le cerveau des gens. Parce que cette amie-là, ça peut être la copine de Mada. Parce que moi, je suis désolée. Si demain, je me marie, moi, ce monsieur, il était pieux. Même s'il n'était pas, bref, il avait la crainte de son Dieu. Donc toi, même si ce n'est pas verbal, il a pu dire, écoute, voilà, alors, ma famille est là-bas. Yaka lui-même, il ne maîtrise pas le sujet. Lui-même, c'est hier, il est venu pour l'expliquer. Attends, au fait, moi, je dis quoi? Si ce monsieur, d'autres panels, ils disent que la femme a mis, elle dit qu'elle a payé. Alors que cette même madame dit que le monsieur, il a hypothéqué la maison. Bon, en fait, il y a actuellement là, à Mustapha, avec un certain monsieur XX, ils ont sorti de là-bas. Écoutez-moi. Ils sont sortis de nulle part pour venir mettre le doute dans la tête des gens. Écoutez-moi bien, attends, coupez votre micro. Ma chérie Marie, pardon, faut te muter, pardon. Al-Mustapha, c'est mon vieux père, mais allez lui dire, moi, dis, c'est un menteur. Et c'est des gens qui t'expliquent, il y a ce qui est attends, en train de j'arrive, se passer là-bas. Ne me coupez pas, ne me coupez pas, attends, fini. Al-Mustapha, c'est un menteur. Il n'avait pas dit menteur, parce que c'est un grand frère, c'est un mafloteur. On était assis là, et puis il avait dit qu'ils ont tiré sur voiture de Carmen. Les bandits ont tiré sur la voiture de Carmen. Il a mis la peur dans le cœur de tout le monde. Ja, il n'en avait rien. Il allait créer problème entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Comme ça, cadeau. Ça, nous avons vous dit bonjour là. Regardez le jour. Vous avez compris? C'est mon vieux père. S'il veut pour plus me parler, il m'en fout de ça. Voilà. C'est un paflotteur. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de vous dire. C'est la famille même qui se mélange. Parce que Mado les a tellement traumatisés que la famille, là, souvent eux-mêmes ne savent plus. Premier contrat en Europe. Gervinho a une maison là-bas. Kafumba Koulibaly avait une maison parce qu'il a vendu maintenant. Kafumba Koulibaly avait une maison là-bas. Mon vieux père, là,
Le footballeur là. Lui, vous dites quoi? Il a parlé dans le téléphone. Payez moi, il ne veut pas dire son nom. Mais attends, au fait, attends, secret, il a critiqué. Attends, pourquoi on va mélanger? Al Moustapha a dit que lui, il a vu les papiers, mais en cas dit la vérité. Il a précisé. Il dit, mais il ne sait pas si ces papiers-là sont falsifiés. Le monsieur l'a précisé. On a beau pas, on va me dire les choses. Vous ne dites pas qu'il a précisé, vous avez fait. Mais oui, secret, attends. Il a précisé. Parce si, 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 je l'ai dit. Grand, voilà, ton grand frère Yaka était là-bas, Ya. Et quand oui. Il a parlé, moi, ce que j'aimerais, comme Ayas, toi, qui a saisi le dossier, tu veux en parler, moi, j'aimerais sincèrement te faire une doléance. Faut demander à la sœur Vanessa, les anciens locataires, là, si elle peut les joindre. Ils vont, ils ont les anciens bail, le contrat de bail. J'ai tous les papiers ici. Dois mettre tranquille, c'est quel problème. Maintenant, hein? au niveau des impôts, au fait. Écoute-moi, ma chérie. J'ai le papier même du contrat de la maison, là. C'est tout. Laisse-moi finir. Attends, il y a de l'expliquer. Le contrat de la maison, le jour, ils sont allés prendre. C'était promo. Mado, si Mada. Si Mada a montré un document, c'est que c'est un document falsifié. Sinon, le document que j'ai, quand tout à l'heure on a fini, j'ai regardé tout de suite, il n'y a pas son nom dessus. Il y a plutôt le truc de Jean, elle est mariée depuis 2007 avec lui. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Aya, au fait, on te comprend très bien. On voilà. Et c'est avec ça, attends. Miel, vous aimez couper les gens, hein? C'est avec ce papier-là. Le monsieur qui a payé, le monsieur et sa femme qui a payé. D'ailleurs, le nom même que vous avez dit, c'est pas le nom. C'est pas le nom. Je vous dis. Je ne sais pas si elle peut m'autoriser parce que on m'a fait confiance, on m'a dit d'attendre. Faut attendre. Voilà. On m'a dit d'attendre parce que moi, avant de parler, il a dit qu'il veut toutes les preuves. J'ai promis qu'il y a d'autres que je ne vais pas mettre. Donc, j'attends. Après le procès, j'attends. Elle est venue m'asseoir. Et puis, elle fait toutes les captures. Aujourd'hui, il y a un qui est monté sur le live. Sur le Yaka. Il dit que Mado est mariée. Il est sorti en même temps le document de son mariage. Il y a le code dessus tapé. Moi, ce n'est pas dans le mensonge. Tapez mairie de Cocody, vous allez voir, c'est public. D'accord? Mais il y a certains papiers que je ne peux pas sortir pour l'instant. Parce qu'ils sont en procès. C'est Kadi qui a dit à Azizel que c'est. Ou bien c'est peut-être Azizel qui n'a pas bien compris et puis ça nous a tous emportés. Cette maison-là, il ne peut jamais mettre ça au nom de Mada et puis mettre ses parents dedans. C'est faux. Mada a falsifié les papiers. Et j'ai le papier falsifié là ici. Mada a falsifié les papiers. Et le papier falsifié qu'elle a fait là, je sais ici. J'ai aussi son papier qu'ils ont fait à Dabou là. Il y a ça ici. Je ne suis pas en train de dire J'ai son premier visa qu'elle a eu pour aller le trouver à Toronto, à Toukla. J'ai ça ici. Je ne suis pas en train de dire « on dit, a dit ». Je dis « j'ai ça ». J'ai photo de son enfant avec certains documents qui attestent que l'enfant est dans les services sociaux. J'ai ça ici. À 20, voilà. Voilà, donc là, si elle vous dit « j'ai ça là », tombez tranquille. Laisse ça à Moustapha. Depuis le jour, Moustapha a sorti pour dire qu'ils ont tiré, que les bandits ont tiré sur Kamen là. Depuis Al-Moustapha a sorti pour dire que les bandits ont tiré sur Kamen là. Quand il parle maintenant là, je fais ma charrière avant de revenir à mes oreilles. Pardon. Il y avait des locataires qui étaient dedans d'abord. Et c'est comme ça, après, il a demandé aux locataires de partir parce qu'il allait loger sa famille. Moi, oui, oui, ça, elles ont dit ça. Attends, secret. Maintenant, moi, je te parle tranquillement au fait. Vu que les gens sont en train de parler par-ci, par-là, moi, je m'en fous de ces gens-là. Moi, comme c'est toi qui as pris le dossier en main, j'aimerais, c'est une doléance que je te fais, que tu demandes à Vanessa, les anciens locataires qui étaient là-bas, là, ils ont bien le nom du bailleur sur leur contrat de bail. Ça, c'est déjà... Est-ce qu'elle était en contact avec eux? Mais attends, attends, laisse-moi terminer jusqu'au bout, tu vas me comprendre mieux. On peut toujours vérifier. Ensuite de ça, tu sais que quand tu as une maison à Abidjan, tu payes des impôts. Et les impôts, c'est le bailleur qui paye ses impôts, le propriétaire de la maison.
Donc, il faudrait, eux, en tant que famille de la du défunt, ils ont le droit et la possibilité de demander aux impôts les papiers de ça. Déjà, dès l'instant, vous avez... Il a dit, tu n'as pas compris. Il a dit, il y a les papiers de la maison. Depuis, il a payé ça. Tu n'as pas compris encore, Aya. Mais quoi? Même les impôts, tout, il y a ça ici. Ah, voilà, ok. D'accord. Si, moi, je parle des impôts au temps de la location. Parce que écoute tranquillement, Aya, tu vas me comprendre. Depuis, il a payé la maison. Le premier jour, il est parti payer la maison, il a signé papier, là, il y a ça ici. Tu me comprends pas. J'ai compris tes dires, Aya. Ma chérie, il faut l'écouter et puis c'est bon parce que vous n'allez pas vous entendre. Entre temps, d'ici là, la femme, elle s'est procuré des papiers faux. Donc, au niveau des impôts, on ne peut pas, parce que quand tu loues une maison... Il a mis sa famille là-bas en 2015. Bon, vous demandez alors. Ok, vous demandez après, à Vanessa. Après la canne. Vous demandez. Vanessa elle-même a dit de sa propre bouche. Vanessa elle-même... Ma chérie, okay. J'ai dit après okay. La canne. C'est-à-dire que quand on est, ils sont arrivés là-bas, enfin, 2015-2016. C'est pas en 2016, juste. Après la canne, quand on a pris la canne, là, c'est là qu'il a logé ses parents là-bas. Canne 2015, là. Il a délogé les autres, mais ses parents là-bas. Parce qu'elle-même, elle a dit, ils sont rentrés en 2016 et en 2017, Dieu a fait que, bon, Dieu n'a pas dit, il est parti. Non, elle parle du mariage. C'est, toi, tu n'as rien compris, en fait. Quand elle s'est expliquée. Ok, d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Il a marié Mada en 2016. D'accord? Il a marié en 2016. Bon, moi, après, tout ça, même, c'est des petits détails, tu vois. Tout ça, même, je ne peux pas... Tout ça, c'est des détails. Moi, ce qui est important, c'est que j'ai tous les documents qui attestent que cette maison ne l'appartient pas. Voilà. J'ai même le livret du mariage. Je ne sais pas si tu comprends. J'ai plus important, même, que ce que tu veux qu'on parte regarder aux impôts. Il y a tout. Non, c'est pour faire caler tous ces soi-disant les gens. Oui, il a payé la promotion immobilière. Là. Ils doivent être informés que la maison a changé de nom. Ah, il a dit ma cause veut monter. Non, est-ce qu'il n'a pas fait de demande? On est là, on regarde. Moi, je suis Modo, je regarde. Il n'a pas fait de demande. Il passe juste. Pas dans le live. Si, il est là, il est là. Il est là. Il est passé, il est là. Il va revenir. De toute façon, cette femme, si elle était pieuse, si elle aimait son mari. Attends, il y a des gens qui la défendent, quoi. Mais forcément, les gens vont la défendre. Non, mais c'est inadmissible, ça. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Tu es choqué, pourquoi? C'est inadmissible. On ne peut pas te défendre par respect pour ton mari, quoi, au fait, quoi. Au fait, même là, même si c'est oral, il t'a dit, c'est mes parents, là. Aucun moment, tous les biens que tu as eu là. Et puis, en plus, tu as sorti son petit Jojo. Mais toi-même, là, tu es quelle femme décente? Décente. Hé, hey, Seigneur. Hé, hey, Dieu. Moi, il y a deux enfants garçons là. Franchement, que Dieu les met sur des bonnes femmes. Hein, parce que ça là, ça donne palpitation. Hein. Même si on n'est pas concerné, ça fait mal. L'ami qui est de Mada qui est monté sur les panels, les gens disaient que c'était Jojo et Damien, les gens l'ont insulté sur les panels. Ah, tu n'as pas appris. Il y a un gars qui est monté, dit l'ami intime de Mada. Et ils l'ont chassé. Ils l'ont insulté jusqu'à dire que lui ne peut plus parler. Il est parti se réfugier de l'autre côté là-bas. C'est là-bas, ils l'ont pris. Le même gars là, il était monté chez Aya ici matin. Aya, tu sais où ton grand frère se trouve? C'est. Il vient de me dire ça, mais il ne sait même pas. Mon frère, il fait ce qu'il veut. Comment on appelle ça? Aya, le live de Yaka, s'il fait le live, il va les emmener pour venir tout. Tout ça là, c'est la complicité. Je suis désolée. C'est tout ça là qu'on pouvait l'argent du jouet là. En tout cas, le monsieur là, il va faire de où il est là, avec ses parents là. Il va faire ce qu'il faut. Je n'ai pas tourné, j'ai dit, la mère Amoussa fait mettre sa bouille dedans. C'est eux tous qui ont détourné l'argent du monsieur, c'est eux tous qui ont détourné la tête de la fille. Parce que la fille, elle est envieuse, hein. Et puis elle est proche. Amoussa est proche d'elle. Amoussa, c'est que vous savez qu'il cherche. Non, laissez-le. Il est proche. Il dit que lui, en tout cas, de sa part, que tout c'est. Que lui, en tout cas, lui, il a chassé les membres de sa famille qui étaient dans une de ses maisons. Et c'est vrai, lui, il a mis ses parents dans une de ses maisons. Donc, lui, il a chassé. Donc, franchement, pour lui, là, on peut chasser parents. Ça ne peut rien dire. Tu n'as pas oublié l'histoire qu'il a dit. Il a mis le nom de ses enfants sur une maison. Et puis, quand il s'est séparé de la femme, il voulait vendre la maison. Il était obligé de passer par une tutelle. Tu as oublié ça aussi. Si, il a expliqué ça aussi. Franchement. Moi, en tout cas, ce gars-là, c'est vrai. Moi, je n'ai pas confiance. Et puis, cela, je cherche son intervention, même, en fait. C'est très intention. Ça aussi, peut-être qu'il envoie ça chez Kadi. Sinon, elle est la capture d'eau. Et ça s'est passé tout de suite là, chez l'autre côté là-bas. Il est quitté chez Mada. Quand il est quitté là-bas, il est allé chez Serge.
Le Serge, il est parti chez W. Ah. Il a quitté chez Madon. Quand Madon lui a posé la question, donc il n'a qu'à envoyer les preuves que la femme avait descendu. Non, il n'a pas descendu. Vous avez le monsieur X6 là. Lui, il dit que depuis 2020, lui devait acheter cette maison. Imaginez-vous. Depuis 2027, c'est-à-dire 3 ans après le décès de leur frère, ils allaient dehors. Tiens. Nous, on parle d'aujourd'hui là, mais il y a longtemps que la même, elle s'en sait pas. Papa m'a fini d'expliquer là. Il y a un gars qui est monté, il vit à Paris. Il est monté, il n'a pas caché. Hein. Il a dit, il n'a pas fait attention quand Moustapha a vendu sa maison avec un monsieur. Il a vendu la maison de son papa. En disant que c'est le gars qui est à Paris qui a donné l'ordre qu'on vend. Le gars est monté là, tout expliqué. Il dit, il a pris un avocat, mais aujourd'hui, il a récupéré les biens de son papa. Il n'a même pas caché, mais il a dit à des aides de faire très attention à lui. En tout cas, Dieu va faire les filles, la famille, ils vont rester dans la maison. Ah, vous avez vendu la maison de son papa. Tu as dit quoi, Aya? Ah, oui, avec un gars, il a dit le nom du gars même. Que Moussa, quelque chose comme ça, il est là, on l'appelle pour lui dire. Entends, lui, il avait confiance à Moussa, c'est son vieux père. Ils ont vendu la maison quand lui, il était à Paris. Et on l'envoie papier pour dire non, que c'est lui qui a donné l'ordre signé, rentré, sorti. Il appelle Moussa, il le met ici, il le met ici. Mais il n'a pas laissé. Comme lui aussi, il a Paris, il a l'argent, mais il a pris 2 avocats. Aujourd'hui, il a récupéré les biens de son papa. Ah, mais il a pardon, pas appeler ton grand frère là-bas, parce que là où s'entend des parties. Il l'appelle par rapport à quoi? C'est un grand garçon. Il est en train de changer de truc, hein. Il est en train de quoi? Ah, ils ont allé lui monter la tête là-bas. Bah, on peut pas lui monter la tête. Quand il va finir, il va venir. Même demain, il va faire la tête. Il sait ce qu'il fait. Laissez-le. Il est tout un petit panel, hein. C'est un monsieur. Le monsieur l'a dit que lui, il était. C'est grâce à son vieux père qui a acheté la maison immobilière, là. Promotion immobilière, là. Que ce soit son vieux père, là, qui maîtrise. Que lui, connaît très bien Tioté. Ils étaient ensemble à la race à Trècheville. Et lui, c'est un gars de la race, mais lui, il en pink. Il a dit ça. Il s'appelle Volaille d'Afrique, un truc comme ça. Et que Tioté, là, c'était son. Ils étaient ensemble, ils gèrent les affaires ensemble, ils gèrent les business ensemble. Ouais, c'est vrai, il a pris la défense de Tioté. Il dit pour rien, nous, on fait la maison au nom de Sabine. Que, et de, oui. Pourquoi même Mada. On donne le data que c'est au nom de Tioté, il n'est pas bête. Il n'est pas bête, il ne peut jamais faire ça. Et toutes les modifs qu'il a fait. Ah, on va faire modification comme ça, et puis il va dire non, qu'il va donner ça à quelqu'un d'autre. S'il veut donner, même si bon. Il a mis une maison à son nom, pourquoi il va mettre ses parents dedans? Posez-vous la question. En tout cas, ça, la tient dit ça. Donc, c'est une maison qui a son nom et puis va mettre ses parents dedans. C'est mon côté. Attends, je te sens. Mais tu peux monter. Moussa, il est venu pour distraire les gens, en fait. Il y a quelqu'un qui veut monter en bas. Il est venu pour distraire les gens, mais attends. Je vais d'abord écouter son intervention. Parce qu'il faut même pas te